Je retiendrai surtout le stand de la Wii U, donc avec sa nouvelle, on va dire son nouveau bébé. Parce que c'est, je trouve que l'interactivité est plus importante. Ça fait vraiment entrer la personne dans le jeu. Exactement pareil. Je pense que l'attraction de la Paris Game Week, c'est la Wii U. J'ai pas vraiment découvert de jeu à part Ninja Gaiden, même si c'est un remake, et Naruto Storm 3 peut-être. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de grands nouveaux jeux qu'on aime, nous. Ils vont sortir beaucoup plus tard. Alors, je vais me présenter parce que je suis Link. Zelda, en fait, c'est la princesse. C'est plus simple. Non, ça, c'est autre chose encore. Sinon, je suis beaucoup plus FPS chez moi ou vraiment sur la Wii, donc Link. Mais sinon, je reste FPS à 100%. Je joue principalement à Zelda. Je suis une grande fan de Zelda. Et à Final Fantasy. Donc, mon personnage, c'est Sera de Final Fantasy XIII. Alors, les Lapins Crétins, c'est un jeu que j'adore vraiment beaucoup. Je trouve ça vraiment assez passionnant. Les autres jeux, je les connais pas trop. Je vois pas. Je déteste les Lapins Crétins. Parce que j'ai un lapin et les lapins, c'est mignon et c'est pas crétin. Voilà. Moi, je pense que c'est bon vu que ça va amener plus de monde. Les gens vont plus regarder et ça fait de nouvelles découvertes. Oui, ça va peut-être faire plus vendre, sachant que le domaine du jeu vidéo, ça, c'est très étendu. C'est peut-être le marché le plus grand en fait au monde, alors oui, pourquoi pas. Comme info, en fait, je suis vraiment très centrée dans les jeux, donc je vais pas vraiment dans les sites pour voir des infos très larges. En fait, c'est assez prédéfini, donc je visite pas beaucoup de sites finalement. Moi, je pense que je vais pas non plus vraiment sur les sites de téléphone pour regarder. On va dire qu'on n'a pas vraiment la première option de faire ça. On choisit plutôt directement sur un site de jeux vidéo pour se renseigner. Mais c'est vrai que par l'occasion, ça permet de voir et de s'intéresser. Quand on regarde un téléphone ou autre, ça nous permet de voir les jeux. Je leur dirais qu'il y a beaucoup de choses à voir, que le stand est très bien présenté et que ça, on va dire, c'est accueillant parce qu'on a bien rigolé au début. Je dirais venez, il y a des croissants. Non, bah c'est quelque chose de nouveau, alors autant le découvrir. Ça change de tous les stands qu'on peut avoir. Longue vie à l'actu orange.